ressenti. C'est le soleil de ma vie. Okay. On perd pas le dynamisme. Je préfère avoir un orgasme à la place. La détresse se lit sur ce visage. Pourquoi il reste enfermé dans sa cage? Genre elle a appris du chac. Tu sais comment rester humble en trois étapes? Voilà comme ça. Voilà, c'est l'étirement en préparation. Ça c'est meuf de la salle là, c'est bon, t'es baptisée. Meuf de la salle. Angle à 90. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? 5 kilos, c'est trop. C'est quoi cette position? On dirait une grenouille. Vas-y, lève d'un cran. Non, lève, lève. Il y a un problème de pied là-bas, là. Regardez bien. On va faire une petite chaise. Sa chaise de merde, là, je veux pas. Je t'assiste. Elle va tracter un camion. Petite pause avant de repartir. Petite sieste avant de dormir. Il mérite d'être propre, un peu. Laisse-moi finir ma phrase. Regarde. Sophia qui est magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je coach ma bestie à la salle. Donc je vous ai mélangé plusieurs séances dans cette vidéo, j'ai mis un petit peu nos meilleurs moments. Vous allez suivre notre évolution, notre progression, nos délires, nos moments de frustration, les challenges qu'on fait tous ensemble à la salle. Comme ça vous allez voir un petit peu les dessous et l'ambiance qu'il y a à la salle. Voilà, si vous avez peur d'y aller, que vous êtes jamais allé en immersion avec nous durant ces petits vlogs à la salle. It's a new day for us! Aujourd'hui on est de bonne humeur. Aujourd'hui on est de bonne humeur mais on n'a pas envie, on est fatigué. La musique, regardez, ils sont excités hein, ce matin. On est assortis un peu. Sweet. Mago. Merci. Tu dettes ça. Elle a augmenté de 2,5. Non, de 5 kilos par rapport. Ben non, je suis con. Oui, de 5 kilos par rapport à la dernière fois. C'est ça. Allez. L'onzième. Tu la peux, tu la peux. Et la dernière, tu me la fais. Allez, 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 allez. C'est bien. Ah, c'est bien Mago, je suis fière de toi. Elle est fatiguée. Il fait chaud aujourd'hui, ouais. Il y a une gentille madame, enfin demoiselle, qui est venue nous expliquer que cet exercice qu'on fait depuis le début d'une certaine manière était plus efficace. Si en gros, on relâche jamais sur le sol. Donc le but c'est d'aller le plus loin et de remonter. On a le droit de se tenir évidemment, sinon c'est extrêmement dur. Je peux vous assurer que ça fait mal. Ça n'a aucun sens ce que tu fais, mais je te l'expliquerai après pourquoi. Ça sert à rien, parce qu'il y a le poteau des deux côtés. Regardez la douleur. Fait mal. Cette nouvelle version de cet exercice fait mal. Voilà, sans vouloir. Il y a eu un zoom sur Sophia. Sophia qui est magnifique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Elle a pas envie. Mais on y va quand même. Allez, Mago. Ça j'ai dit. Elle est au bout de sa vie. Elle en peut plus. Aider cette personne. Envoyez vos dons. Tu les as, tu les as. Si on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas une meuf de la salle. T'es pas une meuf de la salle si t'as pas ça. Donc les gants, allez, tose les gants. Hein? T'as tout capté ma go. Ah, je suis fatiguée. Mes jambes elles commencent à trembler toutes seules. J'ai les nerfs. Les nerfs qui tremblent. On n'a rien vu. Faites genre vous avez pas vu.
Faites genre, vous avez pas vu non plus. Regardez comment je me tiens. Je suis comme un... Je n'ai pas filmé, ne vous dites pas. On la verra probablement pas danser. Elle a fait un petit move de danse juste avant. Ripeno, je suis désolée d'être une très mauvaise caméraman. C'est qui soulève qui à la salle maintenant? Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Elle est trop belle, je suis fan de tout. Comment elle a pas envie? Elle est énervée là. Celui-là, c'est le pire. On le déteste. C'est dur, franchement là c'est la partie la plus dure, c'est le mental. C'est bien, bravo Mago, c'est dur hein. Oui je sais, moi non plus je l'aime pas. Non. Aujourd'hui c'était dur, on s'est quand même challengé. Là on est en sueur, on est fatigué. Mais on est contente franchement. Cette séance elle nous a tués, genre là on est lessivés. Mais on s'est bien challengé. Je commence à finir. Ouais, le gainage franchement. Après le challenge qu'on a fait c'est easy. Mais en vrai en fin de séance comme ça quand t'es lessivé, c'est dur. Pourquoi les gens vous respectez pas? Genre ça c'est une insulte. Ouais, en même temps, qui a fait ça? Ça veut dire que la personne était à Boise 8, elle a préféré venir à fitness. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même une insulte, regarde, c'est criard, orange à côté du jaune, comme ça. Pas du tout. Non, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, c'est pas mal le samedi matin? Non. D'ailleurs, vous êtes sale là, pourquoi tu les nettoies jamais? Je suis fatiguée. Il mérite d'être propre un peu. Ah, mais voilà, tu vois, faut que tu nettoies. Faut vraiment que tu nettoies ta caméra. Je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Elle a compris que t'es fatiguée. Voilà. En tout cas, si vous comparez vos positions corporelles sur les premières vidéos pour les exercices, laisse-moi finir ma phrase. Vous avez vu comment elle. Non, celle, elle me dit explique et elle coupe la parole. Mais non, parce que là, tu me demandes des dates. Je te dis, bref, en oui, gros, sur d'accord, les mais... par rapport aux premières vidéos. Non, c'est pas grave, vas-y, continue. Non, c'est bien. Toi, explique. Problème de couple. On règle ça en privé. Regarde. Juste, on va regarder nos positions physiques sur les exercices. Il y a une amélioration, enfin surtout sur les miennes. Elle, ça fait 4 ans qu'elle est à la salle. Toujours cette lumière rouge dégueulasse. On pourrait enlever la lumière, mais non. Ça fait un peu Magic Mike XXL. If you want it, let's do it. Run it, not on it. Doom. Oh, vous avez un plan sur mon fiac, les gars. Incroyable. T'es pas le plan sur mon cul. Sans ma gompe, un truc comme ça. T'as tout capté ma gompe, wesh. Ressenti. C'est parti en zone 3, c'est ça. Les bourges à la salle.
Et regardez-moi ça. On dirait qu'elle fait de l'aérobic, c'est trop drôle. Regardez-moi comme elle est belle. Ma vie. Regardez-moi ça. Tous les matins, je m'entraîne avec elle, wesh. C'est le soleil de ma vie. Allez, on enchaîne. On perd pas le dynamisme. Je t'assiste. Elle va tracter un camion. Pas très long ce camion. C'est excellent ce qui se passe. J'adore. Hi with my besties. Hi with my besties. Fatigue, votre tête, elle ne sort pas. J'ai l'impression d'un rien fait aujourd'hui. Dis ça à mes épaules si elles ont rien fait. Quand je porte un t-shirt, j'ai une énergie de bonhomme. Je dis, j'en ai fait 25, mais c'est pas une compétition. Elle me dit, bah vas-y, fais-en 30. Du coup, j'en ai fait 30. Bon, du coup, t'en fais combien toi? 20. 20? C'est pas une compétition. Hein. Elle va me niquer à la chaise. Sa chaise de merde là, je veux pas. T'en as fait déjà 20 là? Ah non, c'est une petite pause. Petite pause avant de repartir. Petite sieste avant de dormir. Elle a tenu 3 minutes en chaise aujourd'hui. Je suis fière d'elle. Elle est trop forte en chaise. Aujourd'hui, j'ai dit, ils veulent nous faire twerker. C'est quoi cette musique là? Quel est l'objectif de cette séance? Ouais, à quoi ça sert hormis faire mal? Bah, prendre du booty. Faire du hip thrust en tempo, c'est horrible. C'est horrible. Je te déteste. Enfin non, pas toi, mais... Trois. Sept. Huit. Tu me fais la deuxième et tu tiens. Un. Deux. Trois. Le max, le max, le max. C'est bien. C'est bien, bravo. T'as envie d'insulter des darons là. Vraiment mal au cul. Là, on peut pas dire qu'on ressent pas le booty. Comme quoi, le mouvement et l'exécution est plus important que la charge. C'est sa dernière série. C'est trop dur, je vous jure, il est trop dur. Ouais. Eh, je vous jure, j'ai plus de cul. C'est horrible. Vas-y, mets un go, t'as tout capté. C'est ça. Je sais que c'est dur, on lâche pas. On lâche pas. C'est dur, je sais. Je préfère avoir un orgasme à la place. C'est bien. Comment elle aide ça? Je suis choquée. Encore. C'est bien. Ça. Elle a fait la meuf. Non mais là je te jure meuf tu t'aides. Trop strong. C'est bien. Regardez-moi ça. Ça c'est meuf de la salle ça. Ça a tout capté ma go. Ah là on le sent bien cet exercice. Hein. C'est ça ma go. La détresse. La détresse se lit sur ce visage. Regarde ça. Allez ma go. Allez allez on lâche pas. Pourquoi il reste enfermé dans sa cage? Viens ici ma belle. Bien, ok. En fait, c'est ça, c'est le dernier carré éliminé.
On commence tous de la ligne, ici, burpees, poitrine au sol, je remonte et je saute. Poitrine au sol, je remonte et je saute. Et il y a le retour à faire. C'est plus rapide sur les burpees. Vous êtes prêts? Ouais. 2. Ah, c'est parti. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, les gars. T'as le premier avec ce qui suit. Bien, les gars. Et Lola qui suit de près. Bah, Eva qui est en train de la dépasser. Canou validé. Alex validé. C'est quoi des personnes? Là, ça l'a validé. Et. Oh, et Lola validé des pieds à la fin. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'est bien, prends ça à respirer. On va chercher le plus loin possible. Bien joué, bien joué. Juste qu'on touche le mur, ça me suffit. Allez, Lola, allez, 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 allez. Je peux faire un relais avec elle. Ah, c'est parti. Ah, c'est bien, c'est bien. Nouvelle session. Je suis bêtée les gars. Aujourd'hui on est fatigués, on est fracassés. Fraction. C'est dur aujourd'hui. Hein. T'as vu comme c'est dur aujourd'hui, moi aussi j'arrive pas. Trop mal. Mais moi aussi j'arrive pas, je te jure, je sais pas ce qui se passe. On est fracassants, on a plus de force. On a plus de force. Voilà, c'est bien. Allez, le max, le max. Mais moi aussi j'en ai fait deux, la troisième j'ai fait ciao, bisous. C'est tout pour moi. On va faire des dégressives hein. Oui. 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 C'est difficile aujourd'hui. Je te jure aujourd'hui c'est difficile. J'ai plus de force dans les bras. Je me sens nulle. Du coup on part sur des dégressives parce que c'est dur et qu'il faut travailler. Et que ça c'est un bon tips pour les tractions, pour appréhender les tractions. Mais même ça c'est dur je vous jure. Genre si vous pensez que les tractions c'est difficile et que ça c'est easy, vous vous trompez. C'est hyper dur ça aussi. Et regardez-moi ce boule aussi là. Genre elle a pris du fac. Allez c'est bien, on lâche pas. Tu vas jusqu'à 8. C'est bien. Allez Mago. Plus ça va, moins c'est long la descente. On se félicite quand même, on est fiers de vous quand même. Que l'éclair. Les lunes et rétrogrades, tout ça, du coup la gravité sur Terre est plus intense. Ouais. C'est soulevé. Ouais, je comprends. Ça, ses bras sont vides. Ils sont vides du tout, il n'y a plus rien dedans. Et je vous jure, c'est trop dur. C'est pas grand chose. Je vous jure, c'est trop dur, les gars. Genre vraiment, on galère. C'est trop dur. À quel point ça engage tout le corps, à quel point on n'a plus de force dans les bras, alors qu'on a l'impression de ne pas y arriver, du coup, de rien travailler, alors que si on travaille en vrai, mais c'est hyper dur. Allez, on n'a plus de force, mais on y va. On se laisse tomber comme des merdes, mais c'est pas grave. Je vous jure, limite, on regrette la séance d'hier. Et le pire, c'est qu'on ressemble à rien. Voilà, ça, c'est tout ce que la vie, elle nous dit fuck. La gravité, elle nous ramène sur Terre, les pieds sur Terre. Si jamais vous avez peur de prendre la grossette et d'avoir des tractions que vous savez pas faire, vous allez voir, ça va être drôle. Mais surtout, comment rester humble en trois étapes. Première étape, je suis en fil des gants. Deuxième étape. Je monte sur les cubes, troisième étape. Je suis ridiculise. Voilà. Voilà comme ça. On fait toutes les options possibles à cet exercice. En dégressif. Genre toutes les options débutants. Mais à un moment donné, on est nul. Il n'y a plus d'options. Il n'y a plus d'options là. C'est cata.
Voilà, c'est l'étirement préparation traction. Allez, ma go. Les meufs, l'élastique, ils servaient à quelque chose, même en dégressif. En fait. On est ridicule là, on fait pitié là. Là, toute la salle nous regarde et nous juge. Regardez. Ah. Déjà, c'est mieux, non? Bah, si, meuf. Rien que de tenir mon iPhone, là, je vous jure, j'ai mal au bras. Regardez les mains. Regardez ça, là. Oh mais toi, t'as pas encore la corne de ça. Mais ça commence, là, tu rigoles, oui. Regarde mes touches, là. Ça, c'est meuf de la salle, là. C'est bon, t'es baptisée. Meuf de la salle. Mais meuf, tu m'as inventé une technique du fou furieux, j'avais jamais pensé. Pour changer, je galérais parce que j'étais trop petite à changer à chaque fois, là. J'étais comme ça. Et elle arrive, elle change de voix. Elle m'a matrixé le game, je suis au sol. Enfin, j'avais jamais pensé à faire cette astuce. Oui, voilà. Elle a changé ta logique. Et regardez-moi cette pro là. Une position angle à 90. T'aimes bien ? Faible. Faible ? Un peu moins faible. Mais t'aimes bien. Oui, non, ça va. Et bien celui-là. Oui. Les haltères de 14 pour le roaming sur le banc, elle est offusquée. On n'a pas réussi à faire une seule traction. Non mais correct, avec élastique, on n'a pas réussi. Et elle veut prendre des haltères de 14. Mais meuf, d'habitude je le fais sur la barre libre avec 30 kg, c'est pour ça que j'ai pris 14. Mais ça ressemble à quoi ton exercice? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tapé la fiche. Oui. Attends, mais moi je dois prendre 1,5 du coup. Je suis fan. Ben là, tu le sens ou pas? C'est super lourd, ce kilo. C'est super lourd. On dirait une grenouille. Tu me fumes. J'ai bébé de cette position, je suis en fou rire. C'est quoi cette position? On dirait une grenouille. Déjà, c'est quoi ce pied là? Tant les jambes, je sais pas. Mais non, parce que toi, t'étais trop bizarre. Tu lèves le banc, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Tu lèves d'un cran. Vas-y, lève d'un cran. Non, lève. Voilà. C'était 12, hein? Oui. Ça va aller, voilà. Ah là, elle a compris comment se placer. C'est ça, ma go. Là, franchement, on est épuisé des bras. Elle est vénère, là. Elle veut niquer des mères, là. Regardez ça. Faut pas aller chercher des noises. Encore. C'est bien. Bravo. Bravo. Je l'aime pas. Elle a plus les mots. Mais moi non plus, je comprends pas. Voilà, t'es censé faire comme ça. Et allez, on lève en gainage. C'est bien. 30 secondes. T'inquiète, je compte. C'est dur? C'est plus dur que du gainage? Ok, si elle parle pas, c'est que c'est dur. C'est bon. Non, t'inquiète, je te jure, je regardais. T'es mal à chier, un connasse. C'est dur, mais t'inquiète. Non, mais c'est plus dur que du gainage. Oui. Wow. Mais du coup, tu te mets sur. Mais non, mais fallait se mettre sur les mains, pas sur les coudes. Mais déjà, tu mets pas tes deux pieds pas de la manière. Il y a un problème de pied là-bas, là. Regardez bien. Ne fais pas rire. Tiens encore. Essaye de relever, tiens. Mais vraiment, cet exercice, il est hilarant. On va faire une petite chaise ?
Aujourd'hui, on était globalement claqués. On a bien ri, mais là, on est vraiment épuisés. Genre, on a plus de force dans les bras. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour soutenir mon travail. Je sors une nouvelle vidéo tous les mardis et tous les vendredis à 16h. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je te fais des bisous.